Bienvenue au cours d'allemand. Willkommen zu Deutschkursen. Aujourd'hui, on va voir les consonnes. Die Konsonanten. La prononciation des consonnes allemandes. La prononciation du H. Le H est fortement aspiré en position initiale ou au début de syllabe. Hoffmann. Un nom de famille. Hoffmann. Herr. Monsieur. Herr. Monsieur. Après une voyelle, par contre, le H ne se prononce pas, mais il allonge automatiquement cette voyelle. Nehmen. Prendre. Nehmen. Prendre. Wohnen. Habiter. Wohnen. Habiter. La prononciation du S, double S, S7. Le S, en début de mot, et entre deux voyelles. En début de mot et entre deux voyelles, le S se prononce comme un Z français. Il s'agit d'un son sonore qui entraîne une vibration des cordes vocales. Die Sonne, le soleil. Die Sonne, le soleil. Der Hase, le lièvre. Der Hase, le lièvre. La prononciation du S en position finale. En position finale, par contre, le S est sourd, c'est-à-dire que sa prononciation ne comporte pas de vibration des cordes. Das Haus, la maison. Das Haus, la maison. Als, comme. Als, comme. La prononciation du double S. Le double S se rencontre après une voyelle brève. Fressen, manger. Fressen, manger. Das, que. Das, que. La prononciation du double S est identique à celle du français. La prononciation du S7. Le S7 est une graphie propre à l'allemand, qui correspond à double S. Depuis la réforme, on le rencontre uniquement après une voyelle longue ou une diphtongue, groupe de deux voyelles qui s'accentuent sur la première, puis se prononcent d'un trait en glissant vers la seconde. Diffuse, les pieds. Diffuse, les pieds. Grosse, grand. Grosse, grand. La prononciation de Z est TZ. Z, TZ. Le Z allemand et le TZ se prononcent de façon identique et correspondent à une attaque dure. Ts, TS. Ts. Comme la mouche TZ. Die Zone, la zone. Die Zone, la zone. Die Katze, le chat. Die Katze, le chat. La prononciation de V est W. Le V allemand ne correspond presque jamais au V français, mais au F de famille. Von, de. Von, de. Fil, beaucoup. Fil, beaucoup. Verlieren, perdre. Verlieren, perdre. Le W allemand, par contre, se prononce comme le V français. Devant, vilain. Die Wahrheit, la vérité. Die Wahrheit, la vérité. Weiß, blanc. Weiß, blanc.
La prononciation de SP et ST. En début de mot ou précédé d'un préfixe, SP et ST se prononcent comme le CH, français, CH, de charbon, suivi d'un P ou d'un T. Sportlich, sportif. Sportlich, sportif. Der Stein, la pierre. Der Stein, la pierre. Die Verspätung, le retard. Die Verspätung, le retard. En toute autre situation, SP et ST se prononcent comme un S français suivi d'un P ou d'un T, comme hospitalier. Die Weste, le gilet. Die Weste, le gilet. Das Obst, les fruits. Das Obst, les fruits. La prononciation de QU. En début comme en milieu de mot, le QU allemand se prononce toujours comme un K français suivi d'un V. QV. Die Quelle, la source. Die Quelle, la source. Die Sequenz, la séquence. Die Sequenz, la séquence. QU égale KV. La prononciation de B, D et G. Ces consonnes se prononcent comme B, D, G, dur en français. En fin de mot, B, D, G se prononcent comme un P, T, K suivi d'une expiration. Il faut les prononcer comme si elles s'accompagnaient d'un léger H aspiré. Der Staub. Der Staub. La poussière. Der Staub. La poussière. Das Rad. Das Rad. La roue. Das Rad. La roue. Der Flug. Le vol. Der Flug. Le vol. La prononciation de P, T, K en position initiale. En début de mot, ces consonnes ne se prononcent pas comme le P de patate, le T de tomate ou le K de kilo, mais sont accompagnées d'un léger H aspiré, que l'on doit bien percevoir. Das Paar, le couple. Das Paar, le couple. Der Tag, le jour. Der Tag, le jour. Komisch, étrange. Komisch, étrange. La prononciation du groupe CH. Ach laut, CH. Après, A, O, U, Au. Der Bach, le ruisseau. Der Bach, le ruisseau. Der Koch, le cuisinier. Der Koch, le cuisinier. Das Buch, le livre. Das Buch, le livre. Der Brauch, la coutume. Der Brauch, la coutume. Der Bach. Der Koch. Das Buch. Der Brauch. Ich laut. CCDH. Après, I, E, 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 U, Oi, Oi. Et après une consonne. Ich. Je. Moi. Ich. Je. Moi. Schlecht. Mauvais. Schlecht. Mauvais. Die Bäche. Les ruisseaux. Die Bäche. Les ruisseaux. Die Bücher. Les livres. Die Bücher. Les livres. Die Bräuche. Les coutumes. Die Bräuche. Les coutumes.
Die Milch, le lait. Die Milch, le lait. Ich, schlecht. Die Bäche, die Bücher, die Bräuche, die Milch. Et là, je vais vous laisser avec les sources et des documents à lire. Bonne chance dans votre processus d'apprentissage. Viel Glück beim Lernen. J'attends vos suggestions de cours aux commentaires. Ich erwarte Ihre Kursvorschläge für Kommentare.